Wesh les gars, c'est Traki, j'espère que vous allez bien. Derrière cette porte se cache mon setup. Et aujourd'hui les gars, on va le découvrir ensemble. Du coup les gars, comme vous avez vu dans le titre, le setup il vaut assez cher. On va voir un petit peu tous les composants, etc. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Voilà, bref, vous connaissez code Traki, etc. Du coup les gars, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer ce qui se cache derrière cette porte. Juste avant ça, un truc code créateur incroyable, c'est parti. Elle a plus d'expression, voulant l'argent du beurre. Et du coup les gars, c'est parti, j'ouvre la porte. Regardez le setup. Donc bon, je vais présenter un petit peu tout. Le setup il a pas trop évolué depuis la dernière fois que j'avais fait une vidéo, parce que ça fait un an. Mais comme vous le savez, j'ai reçu mon nouveau PC, j'ai changé 2-3 trucs sur le setup. Donc je vais vous montrer ça directement. Vu que j'habite à Paris, ma chambre est assez petite. Là on a des sucettes, des livres. Oh d'ailleurs c'est des petits Naruto ça. Tout ce qu'il y avait dans mon PC, donc tous les stickers, des trucs, bref, tout ça j'ai mis là dedans. Là on a mon ancien micro. Donc pour ceux qui s'en rappellent, j'avais un Shure SM7B. Mais malheureusement le micro il grésillait. Donc j'ai dû en prendre un nouveau. Je vous le montrerai juste après. L'ancien micro avec lequel j'ai fait 2 ans de vidéo. Donc c'est le Shure SM7B. Ensuite mon petit Mac, des paires de chaussures Nike, un colis Fortnite que Fortnite m'a envoyé gentiment. D'ailleurs, gros cœur sur vous, les gars. Du coup, pour les personnes qui savent pas, j'ai reçu un nouveau PC comme vous pouvez voir juste ici. Toujours 2 PC. Ah, donc, la chaise gaming des X-Racer, hein, on la connaît. Donc, du coup, j'ai ce PC là et ce PC là. Ça, les gars, je vais le présenter après parce que c'est le plus important. Mais du coup, avant, je streamais avec ce PC là. Il me servait de deuxième PC, mais voilà, comme vous pouvez voir, déjà, il est poussiéreux. Ça fait longtemps que je l'ai. Il y avait une 1070 dedans. Bon, du coup, les gars, on passe au setup. J'ai assez blablaté. Donc, la chaise, je sais même pas ce que c'est la marque, frérot. Oh non, c'est dégueulasse. La chaise, elle est moisie et tout, frère. Oh, la pièce, elle est collé, c'est dégueulasse. Si Kersus vous passez par là, offrez-moi une chaise les gars, ça commence vraiment à être chaud. Bref, du coup voilà, la chaise des X-Racer, vous connaissez. Donc là du coup les gars, on a mon autre téléphone qui me sert un petit peu de temps en temps avec mes AirPods et du coup un truc qui permet de le charger. Ça me sert à regarder le chat TikTok quand je fais des lives sur TikTok. Là on a un truc pour se muscler les avant-bras, mais bon, ça marche pas de ouf, avec une petite clé USB. On va commencer par le micro directement. C'est un Rode NT1, je sais pas si vous connaissez. C'est un micro que pas mal de personnes utilisent. En vrai le micro, je l'ai depuis une semaine et il est vraiment pas mal. Il y a un petit filtre anti-pop avec la perche de Rode. Je sais pas comment elle s'appelle. Et donc du coup les gars, le micro il marche grâce à ce câble là. Et ça va sur cette petite carte son. C'est une Focusrite Solo. Et du coup ça permet de brancher le micro. Et donc ensuite ça, ça va direct sur le PC. Ensuite les écrans. Alors là on me demande souvent c'est quoi mes écrans. Il me semble que c'est des BenQ Mobius 144 Hz. Donc pour lui et pour lui c'est les deux mêmes. Voilà comme vous pouvez voir. Et eux ils sont vraiment bien. Donc voilà, je suis pas payé pour le dire hein, mais vraiment vous pouvez voir, voilà, vous pouvez vraiment les monter, les descendre, les bouger un petit peu. Bon là il est calé donc je peux pas trop le bouger. Mais ils sont vraiment sympas. En vrai ils font le taf. Eux les deux ils sont vraiment pas mal. Ça vaut environ 200 balles l'écran. Les écrans sont un petit peu grand pour jouer, donc je vous les recommande pas pour jouer, mais ils sont sympas. Et du coup l'écran principal, alors là tout le monde me demande la référence, c'est celle-ci, c'est le Asus 24.5 LED ROG Swift et il coûte 900 balles et c'est un 360 Hz. Comme j'ai deux PC, il me faut deux claviers et deux souris, j'arrive pas à faire autrement. Du coup pour le PC de stream, donc là j'ai un clavier, c'est un The G Lab que j'ai eu gratuitement il me semble, ou je sais plus si je l'ai payé. Il me semble que le clavier il coûte 50 balles. Voilà, le clavier il est sympa, il fait le taf, après je l'utilise pas trop. Et du coup on a une petite souris de chez Drakkar que je recommande pas, mais voilà, c'est Konix. En vrai, la marque elle est pas insane. Du coup, je le mets à droite de mon PC. Et du coup, voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Vu qu'il n'y a pas trop de place sur le bureau, j'ai dû faire avec ce que je pouvais. Et du coup, avec le PC principal, j'ai une Logitech G Pro X. Donc, je pense que vous la connaissez. Voilà, là, c'est une très très bonne souris. Elle est super légère et elle est sans fil. C'est ça l'avantage. Et pour mon clavier de base, j'ai un Apex Pro TKL. Et les gars, là, vraiment, je kiffe le bruit. Écoutez ça. Et pour vous montrer un petit peu la fluidité de jeu directement sur Fortnite, limite il y a du flou de mouvement sur l'écran, c'était tellement énorme. Tout ça parce que bah il y a 360 Hz, donc c'est super bien. Bref, avec tout ça, du coup mon petit casque, donc j'ai un Logitech Pro X ou un truc comme ça, le monteur peut-être tu vas me corriger. C'est un casque sympa, bon après j'ai dû racheter un câble parce que le mien je l'avais grignoté. Alors ensuite, juste derrière les amis, normalement on va retrouver la caméra que j'avais perdue. Voilà la caméra qui est juste ici, c'est une Logitech Brio, elle est dégueulasse aussi, que je mets du coup comme ceci. Du coup ça filme, le clavier qui est là. Du coup bah je m'en sers pour mes streams. Des fois je le change un petit peu d'angle de vue. Je peux le mettre même sur l'autre écran ou sur cet écran là pour avoir une autre POV. Du coup on voit un petit peu mieux. Ensuite les amis, on passe à la bête. Évidemment tout le monde l'attend. Dans celle-là, il y a 32 Go de RAM, une RTX 2080 Ti qui vaut environ 1000 balles, un truc comme ça, qui m'a coûté 1500 balles hors de prix. Et on a du coup dedans un i7 10700K, plein de connectiques qui sont rangés derrière, etc. J'ai essayé de faire ça le plus propre possible. Super servi pendant 2 ans, elle est vraiment incroyable. Et évidemment les amis, tout le monde attend le gros PC. Ça s'ouvre comme une porte de frigo. Et donc là on peut voir les gars l'intérieur du PC. On a une Supreme RTX 2080 Ti qui coûte super cher. Alors là les gars, je vais pas vous mentir, c'est hors de prix. Deux barrettes de 32 Go de RAM, donc ça fait 64. On a un water cooling qui permet de refroidir la carte graphique. On a un i9 13900K. Alors, il fait vraiment aucun bruit, il est vraiment incroyable. Et en plus de ça du coup les gars, j'ai ma petite box qui est connectée juste ici, donc ça permet de pouvoir brancher les câbles sans aucun souci. Mais du coup voilà les gars, c'est à peu près tout pour la vidéo setup. Si je peux vous montrer un autre truc, je vais jouer un petit peu à Fortnite et vous allez voir à quel point c'est
fluide. Regardez les gars, s'il vous plaît, le nombre d'FPS. Alors là je suis même en mode perf ou quoi. J'ai 1000 FPS constant et c'est vraiment incroyable. Donc en gros, si vous voulez, je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc là j'utilise l'autre clavier. Donc là je lance OBS. Attendez, c'est un peu flou. Et du coup, ce PC là, il récupère l'image qui est ici. Et du coup, ça fait que j'ai aucun bug avec la caméra, tous les trucs, les machins, les paramètres. Et donc du coup là, je peux lancer le live, etc. Et ça fait perdre aucun FPS. Donc là, j'ai lancé un enregistrement et vous pouvez voir les FPS toujours. Voilà, on est autour des 1000 FPS alors que j'ai lancé un rec, il y a aucun souci. Et vous pouvez voir les gars à quel point c'est fluide, c'est une dingue. Un petit solo build en deux spi. Ça peut se casser la gueule à tout moment les gars. Donc je vais essayer de jouer en deux spi. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà les gars, vous pouvez voir c'est super fluide. Voilà les gars, du coup c'est comment vous pouvez voir un petit peu comment moi je joue et c'est vraiment une masterclass. Avec du coup le clavier et tout, vous pouvez voir un petit peu. Et franchement, c'est trop trop confortable pour jouer, avec des vidéos, ce que vous voulez. Ouais, vous avez compris les gars, je vais pas faire un solo build pendant un an et demi. Et voilà, vous avez capté, du coup, je vous reprends hop, par la gorge. Écoutez, tout est bien, tout est carré, tout marche correctement. Et donc j'ai pas trop de quoi vous présenter. Au passage, je vous remercie encore une fois, je le répète, mais merci Fortnite hein, de m'avoir envoyé des cadeaux. Fortnite, gros cœur sur vous. On vous aime et votre jeu il est incroyable. Je vous fais des gros bisous les gars, c'était Traqué. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder les likes pour mon retour parce que tu connais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bref, je vous fais des gros bisous les gars, c'était Traqué. Et bye tout le monde.